Une grève des travailleurs a perturbé le trafic aérien à l'aéroport international de Nairobi. Des centaines de passagers attendent sur place alors que la police a dispersé les grévistes. Kenya Airways a présenté ses excuses à ses passagers et au public pour le manque d'informations concernant la situation. Le ministre des Transports a assuré que les vols reprendraient très rapidement, tout en précisant que les retards se poursuivraient dans la journée. Le ministre a ajouté que des travailleurs avaient été mobilisés pour remplacer les grévistes afin de contrôler les passagers et les bagages, et le leader du syndicat des grévistes aurait été arrêté.